c'est Mehana, votre coach en image et développement de soi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter tous mes shopping le mois de mars. Parce que sur tous mes réseaux sociaux, sûrement sur TikTok, quand je partageais un vidéo de shopping, chaque commande, en fait, j'ai plein de vues, j'ai plein de likes, j'ai plein de commentaires. Donc, j'ai la conscience que vous avez vraiment besoin de quelqu'un vous accompagner, vous donner des conseils quand vous faites du shopping. Du coup, j'ai décidé de démarrer une série de Mehan, qui s'appelle Shopping with Mehan, pour vous présenter vraiment chaque article, c'est pour quel type décor, quel type de silhouette, et pour vous pouvez faire du shopping correctement ou mieux pour vous-même et trouver votre bonheur à vous. Donc en mars, j'avais acheté 3 robes et 4 hauts. Enfin, 4 hauts, il y a aussi des tops et des bodys, je considérais comme des hauts. À vous présenter, j'ai pas de marque vraiment préférée parce que je connais bien ma silhouette. Je sais quel type de vêtements je pouvais acheter. Donc quand j'ai vu des vêtements qui me conviennent, c'est dans, chez n'importe quelle marque, en fait, je vais la prendre. Donc tout d'abord, je vais faire un petit tour pour vous, pour tous les articles. Donc il y a cette petite haut et le body et un gilet, un haut, 3 robes. Je vais vous présenter un par un. Si il y a des articles, ça vous plaît. À la fin, vous avez la photo pour savoir à peu près combien ça coûte et vous pouvez toujours encore trouver sur leur site. Voilà, premièrement, je vais vous présenter cette petite haut, c'est chez Zara. Donc ce petit haut là, attention, c'est des dentelles qui est hyper fine. Donc si vous avez des bras qui est un peu plus fortes, je vous conseillerais pas de la porter tout seul. Donc vous pouvez bien mettre une petite veste extérieure pour l'accompagner. J'ai déjà expliqué pour ce type de haut comment on l'a fait pour accompagner ici vous avez un bras qui est un peu fort. Voilà, après il y a beaucoup de plis sur le buste, donc dans ce cas là si vous avez des bustes qui est trop présente, je préfère que de vous dire non. Si vous avez des bustes vraiment très fines, mais n'hésitez pas de prendre ce haut là, vraiment il est magnifique et la matière coton. Et voilà, ensuite c'est ce body là, j'ai trouvé chez Other Stories. Ça me plaire bien parce que il y a des dentelles ici. Joli, super joli. Mais pourquoi je portais souvent le body? Parce que le body, ça peut m'aider quand j'ai porté de veste ou des hauts qui a crawl, qui est un grand V. Et pour éviter de voir notre poitrine balader extérieure, on met un haut qui est bien ouvert. On met le body extérieur, donc comme ça, en fait, même en bougeant, en regardant, en fait, ça nous met à l'aise pour une forme de sécurité et je trouve est plus élégante en fait quand on a un body intérieur d'un grand crawl pour vraiment accompagner cette crawl qui est très bas, très basse. Et voilà, ça c'est le body chez Other Stories. Vous allez voir tous les liens en fait à la fin de vidéo. Ce haut là j'aime beaucoup parce que la couleur vraiment c'est du blanc glacé avec des points jaunes, c'est complètement dans ma colorimétrie. Aussi sa forme ça me convient parfaitement, donc vraiment c'est une pièce, je l'adore, c'est chez Zara. J'ai pas pu la mettre sur la manga parce que ici en fait il n'y a pas d'élastique sur la hanche en fait, et ni la couverture
ouverture. Du coup, en fait, c'est très fine au niveau de taille. Voilà, et cette pièce-là, il faut faire attention parce qu'il y a une grande papillon devant votre au niveau ventre. Donc, si vous avez des petites ventres ou des ventres qui est un peu à prononcer, c'est pas la meilleure pièce pour vous. Il a un col qui est bien ouvert en V et c'est génial. Donc voilà, cette pièce-là, j'ai fortement recommandé, et c'est chez Zaha. Aussi, ce gilet-là, il est chez NKKD. Donc c'est une gilet, j'avais regardé plusieurs fois, maintenant il est en solde, donc vous allez voir le lien à la fin du vidéo. Donc c'est un gilet qui a avoir des manches qui est en ballon, un manche ballon, et la longueur au niveau de mi-cuisse. C'est un gilet qui a ajouté de volume, faites attention. Donc quand vous allez la porter, n'hésitez pas à ajouter une ceinture pour créer une ligne de taille bien pour présenter votre silhouette. Et cette couleur-là et ce type d'imprimé, ça allonge votre silhouette. Donc vraiment, si vous êtes avoir une poitrine qui est présent, qui avoir une haut qui est un peu plus arrondir, donc c'est pas le meilleur choix pour vous. C'est ce que je voulais vous dire. Donc après, si c'est des personnes qui est plutôt fine et grande, et c'est vraiment un très bon choix parce que ça ajoute des allumes et de volume, pardon, ça ajoute des volumes et ça peut porter avec une ceinture. Voilà. En dernier, je vais vous parler ces trois robes ensemble. C'est cette robe-là, c'est en couleur unie. C'est beaucoup plus simple et sombre et discret. Donc le MAC, c'est bien cette marque-là. Ce robe-là, il y a des manches montantes. Donc, si vous avez des épaules tombantes, c'est un très bon choix pour cette robe-là. Ensuite, c'est bien cette robe-là qui est chez Zara. Vraiment, j'adore. Aussi, il y a des épaules qui sont designées, stylées. Donc, c'est pour des personnes qui voulaient beaucoup plus remonter leurs épaules et ajouter des épaules si vous avez des épaules tombantes. Et voilà, après c'est une robe qui est plutôt droite, un petit peu évasée en bas, à taille haute montante. Donc c'est pour des personnes qui est plus petites si vous voulez porter des robes pour allonger votre silhouette, ça peut une choix pas mal. Voilà, donc vous voyez, la robe en couleur unie et en couleur imprimée, c'est la unie qui a l'air plutôt affiner votre silhouette et l'imprimé, c'est ajouter de volume sur vous. Donc, la dernière robe qui est magnifique parce qu'il est en solde, je l'ai pris. Du coup, c'est chez Other Stories. Donc, cette robe-là, vraiment, il faut porter à l'occasion. Vous avez besoin parce que vraiment, il est très shiny et ça attire l'œil, ajoute beaucoup de présence. Il y a une taille qui est marquée avec l'élastique. Ce type de robe ajoute beaucoup, beaucoup de volume. Donc, si vous êtes forte, vous êtes déjà ronde, ce type de robe, vraiment, ça va ajouter encore plus de volume sur vous. Et voilà, j'ai tout partagé mes shopping du mars. J'espère que ça peut vous donner des idées et tous ces articles-là, vous pouvez encore trouver en ligne s'il y a des articles, ça vous plaît.
Ensuite, je vais mettre toutes les photos de ces articles avec le prix du site internet. Donc, vous allez voir un peu d'hésiter au niveau de prix. Et je vais ajouter aussi tous mes vidéos TikTok. Si vous n'êtes pas abonné de mon TikTok, vous allez voir en fait quand moi-même, quand je l'avais porté, ça donne quel effet. Voilà, donc c'est un plaisir de partager tout ça avec vous. J'ai passé vraiment un bon moment de prestation partagée et vous porter des informations. Voilà, donc si vous comprenez ce que je suis en train de dire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais vous porter vraiment maximum de mes savoirs que possible. Et si mon langage ça vous dérange, ça vous gêne, ce n'est pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous allez vraiment trouver les autres conseils qui vous conviennent, qui peuvent vous aider de apporter ce que vous avez besoin. Je vous aime à tous. À très bientôt, à la prochaine.